Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Snap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Anna RVR réagit à l'arrivée de Alix dans la maison des Marseillais aux Caraïbes. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Bon, j'ai complété tous mes objectifs de la journée. Je vais aller me doucher et passer à la cerise sur le gâteau. 20h, W9. Je suis désolée, mais je vous respecte plus du tout, wesh. Et je ne suis pas qu'une fêtarde. Je veux dire que j'espère qu'il va être bien cet épisode parce qu'on l'attend vraiment comme le Messie. Si vous avez rien à faire en attendant, bien sûr, vous faites quoi? Vous allez voir ma nouvelle vidéo. Ça, après, c'est pas la peine de le souligner, hein. T'es juste dégoûtée parce qu'il y a mieux que toi. Écoute, ça m'intéresse, Julien. Toi, voilà. T'es mieux que moi? Bah oui, je suis mais mieux que toi. Mais t'es vu ou quoi? Mais on dirait Boustifleur des Pokémon. Ça y est, dans mon habit de lumière. Je mets 10 sur 10, franchement, c'est le divertissement qu'on attendait tous. Beaucoup plus authentique que le mec Amila. Génial, Alix, une femme de répondant. J'ai adoré. Merci W9. On m'a demandé un avis plus général, j'ai l'impression d'être Jeremy Star. Déjà, Océane, j'aurais aimé qu'elle ferme son grand clapet. Je trouve qu'elle est très irrespectueuse. Benji, dans tout ce merdier, se comporte pour la première fois depuis 6 mois correctement en restant en retrait. Même s'il est extrêmement fautif. Et Alix, je vois pas comment elle aurait pu mieux gérer la situation. Elle est exceptionnelle, elle est belle, elle a de la classe, mais en même temps, elle se prend pas pour quelqu'un d'autre. Exceptionnel. Benji, d'avoir un seum. De toutes les arrivées de femmes trompées depuis le début des Marseillais, c'était la meilleure arrivée. Elle s'est régalée. Ça me permet aussi de rappeler que la tromperie n'est pas du tout acceptable quand vous êtes un couple monogame. Il faut respecter son partenaire et ne pas aller se taper les gens qui passent à côté, quoi.